Salut à tous, c'est Sturi, bienvenue pour l'épisode numéro 8 de mon incroyable carrière sur WW2K17. Et comme vous le voyez, j'ai décidé d'aller dans la garde-robe et de me trouver un look un peu plus badass. Parce que, honnêtement, aujourd'hui, 7 victoires d'affilée, consécutives. C'est-à-dire, Sturi qui job au début, qui perd contre Tyson Kidd, qui perd contre Zack Ryder, c'est fini. On a réglé leur compte d'ailleurs. Et Jobber Jet, ça commence à me gaver. Donc, excusez-moi, j'ai des choses à dire, je vous rassure, ça ne sera pas long. Très bien, très bien. Je sais que vous voulez de l'action, alors je vous promets de faire aussi vite que possible. C'est vrai, on peut faire ça rapidement, mais on peut faire ça aussi un peu plus long, Sturi, comme tu veux, ça dépend de l'intensité, ça dépend de plein de choses. Vous me trouvez peut-être, oui c'est pas mal ça. Je sais que nous, les superstars, on doit être contents d'être ici, remercier The Authority pour cette chance, serrer les bonnes mains, tout prendre avec le sourire et dire oui monsieur. Et, enfin, je dois vous avouer, c'est pas trop mon genre. Vous me trouvez peut-être ingrat, mais c'est comme ça et je le serai jamais. Et non, mais lécher des bottes, enfin, Sturi, vous le savez. Hein, demandez à Touquet France. Et, comment on fait pour être en main event de pay-per-view? Je veux un main event, voilà. Il faut faire quoi pour main eventer un pay-per-view? Non, mais c'est vrai, quoi, l'univers WWE est aussi de mon côté, en plus, sérieux, c'est plutôt best for the business. J'ai disputé des matchs 5 étoiles, bon, ça, c'est à débattre, on demandera à Dave Meltzer. Il faut aussi que je fasse des cookies à The Authority, je sais pas si Stéphanie apprécierait, ou alors il faut que je soulève de la fonte avec Triple H, du coup, il se sentirait peut-être menacé de me voir dans le miroir. Oh, ah, ah, Sturi. Ah, t'es incroyable, il est totalement fou, ce garçon. Je vais avoir des problèmes. Et si on dansait, c'est totalement un problème, c'est génial. Bon, maintenant que j'ai vidé mon sac, et si on dansait? Non, je rigole. C'est vrai que ce qui rend l'univers WWE aussi génial, vous êtes prêts à tout, c'est pour ça que j'en suis où je suis. Parce que vous m'avez soutenu depuis le premier jour, et je sais que vous me soutenez aujourd'hui. Alors, si les décideurs ont un brin de jugeote, ils vous écouteront, ou ils viendront, ici, danser avec moi. Mais oui, qu'est-ce que je vais faire de... il est temps de passer à autre chose. Voilà, il est temps de Jobber Jet, enfin, on en a marre. Au final, la WWE est un échiquier géant et les superstars sont des pions. Le roi Stéphanie et la reine Hunter pensent être aux commandes, mais je refuse de laisser le destin aux mains d'un autre. Il est temps de passer à autre chose, un jeu à moi, et ça commence maintenant. Et oh putain, mais merde! Ça y est, c'est pas vrai, il est de retour. Oui, je pense que la victoire sur monsieur Baron Blade de la semaine dernière ne lui a pas fait plaisir. Et Baron Blade a décidé donc du coup de régler ses comptes. Il vient avec Jay the Jet. Oh, j'avais dit qu'ils étaient copains. C'est pas possible. Il vient accompagné par Jobber Jet. Oh là là. Oh le fourbe. Oh le traître. Il s'est allié à monsieur Baron Blade. Et je me retrouve donc du coup avec un match mano à mano contre Jobber Blade. Mais non, pas encore. Enfin, je sais pas. Pour l'instant, si. Je l'ai un petit peu mis quand même en position des comptes à l'extérieur. Donc ça va pas lui faire plaisir. Mais, oh, Baron Blade, comme ça, d'entrer à NXT, les amis, ça risque de s'annoncer plutôt, encore une fois, très très cool. Oui, parce que bon, la victoire de la semaine dernière, ça reste une victoire malgré tout, mais elle est un peu teintée. Hein, victoire par des comptes à l'extérieur, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus brillant. Baron Blade, qui a quand même un statut, un prestige chez WWE, j'ai encore été vérifier les stats tout à l'heure. Ouais, le mec, il est encore, malgré la défaite, il est encore aspirant numéro 1 à tous les championnats individuels de WWE. Non mais oh, hey, Baron Blade, il a quand même aucun goût, quoi, cette boucle d'oreille, ces tatouages. Et puis surtout, voilà, c'est la couleur qu'il a choisie. Enfin bon, bref, l'alliance du vert et du bleu, ça n'a jamais été bon signe. Ces deux couleurs qui se marient pas, enfin, mais bien sûr, tout le monde vous le dira. Bah bien, le vert et le bleu, faut pas déconner non plus. Jay the Jet et Baron Blade ensemble, ok, très bien. Et moi, j'ai qui, alors, avec moi pour m'aider? J'ai qui? Pivi Red. Oh, j'ai pas, moi, Pivi Red pour m'aider. J'ai rien du tout. On a juste donc monsieur Baron Blade qui vient de faire son entrée et donc du coup c'est parti, c'est un combat, moi je garde le bonnet enfin. Ouais, j'ai pas pu faire mon palmier donc je garde le bonnet, excusez-moi. Un petit peu, pas trop de temps ce matin, attention à Baron Blade tout de suite qui... Ouh, le croc en jambe. Ouh, c'est fade, c'est vilain, c'est pas gentil du tout et ça fait plaisir à Jobber Jet. Donc calme-toi, enfin Jobber. Bim, voilà, alors là on applaudit moins. Ah, là c'est autre chose. Là c'est autre chose après cette bonne corde à linge là qui vient de terrasser un bon coup Baron Blade qui nous donne l'avantage avec ce petit double atemi. Voilà, la gorge. J'aime bien, il est fourbe celui-là, il est traître, il est totalement old school, il fait bien plaisir, mais des bons elbows. Et un bon atemi, voilà, des strikes. Les strikes ça a eu son effet la dernière fois contre monsieur Baron Blade. Attention, on va vider le ring de ses ordures et on balance Baron Blade par-dessus la troisième corde avec une magnifique B2Belly over the head suplex. Il connaît le client maintenant. Ah, vous connaissez le client, vous connaissez Sturi. Allez, il revient tout de suite dans le ring, Baron Blade. Je pense qu'il a pas envie de se faire des comptes à l'extérieur.
Et même si je veux remporter ce match par décompte extérieur avec un Joe Burgett qui traîne dans le coin, faut s'en méfier. Ouais, faut mieux s'en méfier. Donc je pense que ça va être du réglo, ça va être du mano à mano et ça va se terminer par un bon compte de 3 dans le ring. Pour se tuer, bien entendu. Alors attention, à cette nappe souplex quand même, on va pas vendre la peau de l'ours. Avant de l'avoir tué, mais voilà, avec un bon surpassement. Bon surpassement des familles par-dessus les épaules. Et attention avec la... Oh, oh, oh. Ah, le vilain. Ah, le traître. Le doudou. Ça y est, tuto make-up. Ça, ils se sont passé le mot. Enfin. Oh, arrêtez. J'ai pas envie de me prendre la... Ah, là, 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 là. Mais... The Ascension, Victor a lancé une mode. Là, tout le monde me fait cette prise. Et attention avec la tentative de tomber. Mais non, 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 non. Faut pas décoller, faut pas décoller. C'est que le début du match. Et oui, on a encore un petit peu de... Encore un petit peu d'énergie, voilà. Attention, on balance Baron Blade à l'extérieur du... cette violence. Cette violence, alors. Alors, le bagarreur des extérieurs de ring. Bah, tu sais pas que c'est moi le meilleur à l'extérieur de ring depuis le début, enfin, je le répète. Et il sait toujours pas courir. T'aurais pu aller te plonger la barrière quand même, enfin. Mais on va t'apprendre, attention. BIM, voilà. Bon, se tombe directement dans ta face, on n'en parle plus. Et juste le blanc qui continue son compte, on est au compte de 3. Et je sais pas si... Oui, compte 2. Alors, à Main Event, il compte super vite. Et NXT, par contre, il est plutôt pélard. Oui, il est plutôt posé. Alors, je vous avoue, les amis, je vous ai zappé un petit match. J'ai décimé encore la gueule de Apollo Crews à Main Event. Voilà. Vraiment sans grand intérêt à vous faire partager. Victoire de Sturi contre Apollo Crews, on n'en parle plus. Par contre, là, on va peut-être se faire avoir notre propre piège. On va peut-être se subir à des comptes avec Serre de Ring. Oh là, on l'a envoyé durement dans les escaliers d'acier. Alors qu'il y a un compte de 7, de 8 maintenant, et encore une fois, un petit tour des escaliers, Sturi, il faut faire quelque chose. Sturi, c'est pas bon. Sturi, c'est pas bon. Et putain, mais par contre, il veut nous conserver à l'extérieur du ring, hein. C'est-à-dire, il souhaite, putain, même pas, il nous ramène. Bon, quelque part, merci, mais Baron Blade ne se rabaisse pas à ce que je fais. Putain, le double saut de Cabri, la manque totale de respect, x2, oh. C'est pas vrai, enfin, impossible, impensable, attention. Oh, encore une fois, le fist drop, il l'a pas fait comme la dernière fois, donc ça va, il sera pas aussi puissant. Mais quand même, ce gros fist drop dans ma face, il faut pas décoller, Sturi, voilà, bim, voilà, pas de corde à linge. Comme j'avais fait en début de match, ça a quand même son effet et ça nous remet un petit peu à armes égales. Attention, Baron Blade qui a pas cherché à contrer, projection directement dans les cordes. Voilà, la petite esquive, on passe en dessous, leapfrog, impeccable. Attention, on fait la drop kick, voilà, impeccable. Et oui, mais oui, mais oui, monsieur. Attention, Baron Blade qui revient, Deathbreaker, n'importe quoi, Sturi, on est bien. Ah. Ah, on va vraiment énerver Joe Burgett. Oh, attention, mon spécial s'est fait contrer. Oh, armbreaker. Armbreaker par Baron Blade, c'est pas forcément bon. Et au lieu d'enchaîner sur le bras, là, il vient de porter un collier avec la ciseau avec les jambes. Voilà, des bons coups de coude. Attention, Sturi, le bonnet tire bien. Le bonnet tient super bien, même si encore une fois, tuto make-up. Allez, Sturi, il faut s'en sortir enfin. Ah, ça tourne la tête. Si t'as un torticolis, là, ça craque direct. Hein, c'est. Quelque part, c'est pas trop mal, c'est une prise d'étirement. Voilà, on est bien. Attention, un Baron Blade qui va nous porter un fat big. Oh, next snap! Next snap! Et c'est un de ses spéciales, encore une fois, mais il a changé de spécial, qu'est-ce qui lui arrive? Et. Wow! Oh, il est dégoûté! Ah, il est vénère comme Lucifer, totalement dégoûté. Le next snap n'aura servi strictement à rien. Et oh, c'est tel beau directement dans ma face. Et ah, et le bon coup de pied là, allez Sturi. Sturi, il va falloir faire quelque chose. Sturi, ça répond plus. Ça répond plus pour le moment. Là, on est en mode totalement ultra dominé par Baron Blade. J'ai pas repris l'avantage, là c'est pas bon. Allez, pourtant on a une barre de contre qui est totalement remplie, mais ah, il s'attaque à ma jambe, il connaît ma faiblesse, le genou gauche. Bah, c'est connu, enfin, depuis la nuit des temps. Et attention, mais voilà, viens dans mes bras que je t'écrase, mon ami, comme le dirait Raymond Rougeau. On est pas bien, oh. Univers WWE, les 7000 abonnés de ce sale catch, là, faut faire quelque chose, faut faire du bruit. Faites du bruit. Oh, putain, c'est pas mal là. Et, allez, hop, on relève, monsieur Baron Blade. Et on relève rien du tout, punaise. Encore une fois, le bon coup de bélier directement dans ma face. Et encore une fois, on m'éclate tout droit. Et oh, faut faire. Sturi. Bon, mais c'est pas vrai. On est en train de se faire totalement enchaîner. Baron Blade nous a là où il veut, là où il avait envie, c'est-à-dire dans le ring. Il n'y a pas de possibilité de renverser la situation, de renverser la scoop. Si, voilà, un bon jawbreaker, un bon brisage de mâchoire, et on peut enchaîner directement les spéciales avec, oui, enfin les spéciaux, bien entendu, avec, voilà, cette bonne lariato là qui fait plaisir. La tentative de tomber derrière, c'est peut-être suffisant. Ça a été suffisant contre Jawbreaker, je vois pas pourquoi contre Baron Blade. Non, Baron Blade, c'est plus sérieux, ça fait qu'un compte de deux. Ah, mais oui, mais excuse-moi, juste. Excuse-moi, je suis juste vénère, je suis juste dégoûté, mais c'est pas grave.
On a la puissance, on a la rage, on a la fureur d'un pick-up breaker. J'ai fait beaucoup trop tôt, c'est n'importe quoi ce truc. En plus, j'en ai pas eu au dernier épisode, donc voilà, je suis un petit peu vexé par rapport à tout ça. Attention, ouais, je replace sur Barrel Blade à l'intérieur du ring, voilà. Le bon shoulder breaker, c'est bien joué. Attention, voilà, il est là, le pick-up. Ah oui, il a contré, il a esquivé. Oh, la petite balayette, il récupère la jambe. Oh, oh, Alpha Socrab, à la manière de Led Storm. Attention, Sturi, oh, c'est pas. Oh là, c'est peut-être pas bon. C'est peut-être pas bon. Il faut aller. Tiens, j'arrive plus à bouger. Non, si, non, si, non, 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 non. Putain, c'est pas vrai. Oh punaise. Ah, j'étais sûr que je pouvais m'en sortir, mais non. Aïe, 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 single leg Boston Crab, le Canadian Maple Leaf, comme le disait si bien monsieur Lance Storm. Oh, j'aurais dû être un petit peu plus alerte sur ce contre-là qui arrivait au meilleur des moments. Et Barrel Blade nous a battus, et humiliation totale, les amis. Hein. Prise de soumission, abandon au centre du ring. Ah, ça, c'est pas bon. Ça, c'est particulièrement mauvais, mais oui, en même temps, voilà, il avait quand même, il était avide de. Il était revanchard, le bon vieux Barrel Blade. Et c'est quand même un gros client. Et Jobber Jet, voilà, il est content. Il est content, le Jobber Jet. C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui manigance tous les deux? Oh, c'est bon, vous avez gagné le match, les mecs. Faut arrêter de déconner au bout d'un moment. Qu'est-ce qui manigance, les mecs? Eh non, 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 stop, 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 pas une chaise, pas une chaise. Non, non, et Barrel Blade, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'était déjà le cas dans WWE 2K15. Il m'avait démoli à coup de chaise. Et là, avec la complicité de Jobber Jet, la petite. Mais c'est pas possible, là, la petite soumise, là. Oh, mais c'est pas vrai. Il m'éclate la gueule avec une chaise. Oh, le mec, oh, le filou. Il attend que son pote ait fait le travail pour pouvoir s'en donner à corps joie et se venger. Scandale. C'est honteux. C'est honteux. Je suis dégoûté. Je suis, mais alors, totalement dégoûté. Il va falloir que je trouve un partenaire. Il va falloir que je trouve quelqu'un. Apollo Crews. Qu'est-ce que... Je suis pas surtout pas Apollo Crews, enfin. Vous voyez pas que je suis vénère. Oh, trouvez-moi un partenaire par équipe, là. Il faut qu'on aille leur régler leur compte une bonne fois pour toutes, les amis. On est à Main Event à Portland, dans l'Oregon. Je suis Sturi et je suis colère. Oui, je suis particulièrement vénère. Ah oui, là... Vous avez vu quand même ce qui s'est passé, enfin. Oh, Barrel Blade, ok, il a gagné, très bien, certes. Et en plus, Jaden Jett est pas intervenu dans le match, donc c'est clean. Mais leur acharnement derrière, oh, c'est illogique, c'est illogique. Genre, est-ce que j'ai déjà agi comme ça dans un match? Certainement pas. C'est dégueulasse. Bon, bref, on est de retour donc, du coup, à Main Event. Et j'ai eu ce que je voulais, j'ai été voir des commissionnaires Regal, j'ai été voir tous ceux qu'il fallait, l'autorité, tout ça. J'ai un match par équipe, j'ai dû me trouver un partenaire, donc c'est certainement pas Apollo Crews, faut pas déconner non plus. J'ai trouvé le partenaire parfait, le partenaire impeccable pour aller confronter messieurs Barrel Blade et messieurs Jobber Jet. Mais oui. Ah bah vous allez le découvrir ça dans un instant. Le mec il avait peut-être quelques comptes à régler avec Barrel Blade aussi. Et on a une amitié qui date d'il y a à peu près un an. Voilà, si vous vous souvenez bien des débuts de ma carrière sur WWE 2K16, voilà. Je vous le donne en mille et mille, mon partenaire pour ce match, monsieur Baron Corbin. Il lui refait ses petits cercles de lumière, oh, c'est mignon. Voilà, il peut se guider parce que dans le noir, il voit rien, le pauvre. Bah, Baron. Allô, Baron, il s'est endormi. C'est reparti. Il est narcoleptique, enfin. Oh, Baron, réveille-toi. Didier, fous-lui la lumière dans la gueule, il va se réveiller. Voilà. Oh, il me fait peur à chaque fois, le mec. Là, j'ai toujours peur qu'il s'endorme. Oh, on a un match. Voilà. Voilà. Monsieur le Lone Wolf avec son magnifique logo. J'aime bien. J'adore. Vous le savez moi, vous-même. Si vous me suivez, si vous connaissez l'aventure de CSL 4, si vous connaissez CSL 4 FM, si vous connaissez tout ça, vous savez que Baron Corbin. Bah, j'y crois. Même si c'est très con, hein. Mais je continue d'y croire. Je suis sûr que ce mec-là sera un potentiel main eventer de WWE. Mais pour l'instant, c'est en rodage. Et c'est mal barré, donc c'est-à-dire, est-ce que t'as raison d'y croire, Sturi, ou ça le fera jamais, j'en sais rien. Baron Corbin, c'est à la fois la bonne blague, mais je sais pas, il a un capital sympathie, enfin sympathie en vie de bois, vis-à-vis de moi. La preuve en est, regardez, on est en équipe sur WWE 2K17. Mais je sais pas, j'ai tellement envie que ça marche. Le seul problème, c'est qu'il est narcoleptique. Regarde, il s'endort. Il s'endort à nouveau. Oh, bon. C'est bon, c'est ces abats de lumière en fait qui le ramène à la conscience, parce que sinon s'il s'emmerde, le mec s'endort. Ouais. C'est aussi simple que ça. Bon. Barrel Corbin, Sturi, ça va être quand même la super équipe pour affronter ces deux hommes qui nous ont lâchement attaqué, lâchement trahi. Il fallait quand même un adversaire de poids et Barrel Corbin, c'était parfait. Voilà, la musique du
juste prix est de retour pour accueillir le juste connard. Voilà, c'est honteux, monsieur Jobber Jett qui s'est allié à Baron Blade pour tout simplement se venger parce qu'il est mauvais. Il est mauvais, hein, on l'a vu, hein. Deux matchs solo, mano à mano, même un match où j'avais oublié ma tenue, le mec, ben non, il est nul. Il est à chier, ce gars-là, Jobber Jett. Mais j'ai une rage, hein. J'ai une rage, ça va pousser encore un peu plus la rivalité contre Jobber Jett. Deux contre un, cet assaut en fin de combat qui m'a totalement cassé les couilles. C'est peu dire. C'est vraiment peu dire. Par rapport à toute l'amitié, tout ce qu'il y avait eu entre nous. Enfin bref, c'est honteux, scandaleux. J'espère que vous aussi, vous êtes indigné. Et son adversaire, enfin, il affronte Baron Blade, Jobber Jett, il est mort, hein, il est foutu. Monsieur Baron Blade. Qui, voilà, et maintenant on a un 1-1, tu vois, 1-1 dans les ratings, 1-1 dans les résultats. Victoire la semaine dernière pour Sturi, et cette semaine, voilà, Baron Corbin s'est vengé, il a obtenu ce qu'il souhaitait, c'est-à-dire une victoire, la plus belle des manières, en plus en me faisant abandonner sur un single leg Boston Crab, voilà, monsieur Badass, par excellence, avec sa petite boucle d'oreille, la petite boucle d'oreille. Cette musique d'entrée totalement stylée que, cherchez pas, elle est pas dans le jeu. C'est moi, magie du montage. Sturi, Didier, on est bien, on connaît le classique, Nine Inch Nails, on est bien. Voilà. Ah, beaucoup qui me diront ici, Nine Inch Nails peut-être meilleur groupe de tous les temps. Ça, c'est à débattre. On n'est pas là pour causer musique. Et si vous voulez réagir dans les commentaires, faites-vous plaisir. Voilà. Moi, je suis pas d'accord. Mais j'aime beaucoup quand même. Il faut que... Ben oui, bien sûr. Train 13 d'or, enfin, voilà, connaissez classique. Et je trouve que ça sied parfaitement au côté totalement imbuvable de monsieur Baron Blade. Ah ben regarde Baron. Eh, regarde qui je t'ai ramené le vrai Baron. Le vrai, l'unique, le seul, le Baron Corbin. Alors le Baron Blade risque d'aller se rhabiller. Parce que là on est en type totalement badass. Oh, Jobber Jett. Et il a la confiance, il a l'air mais confiant. Sûr de lui le mec est... Je vais arrêter de parler, hein, parce que voilà, c'est l'epic fail des fêtes foraines. On l'a dès le départ, ce malin coquille passait totalement à côté, du coup je suis encore plus vénère, et on met directement monsieur. Il compte, il fait des comptes dès le début du match, qu'est-ce qui lui arrive à Jobber Jett? Il m'a montré son dos juste pour mettre. Oh, qu'est-ce qui se passe? Soda twist! Oh là là là, quel soda twist porté par Jobber Jett. Qu'est-ce qui lui arrive au Jobber? Attention, en position 2, souplesse arrière, ça passe derrière. Magnifique, Jarbat souplex! Mais ils vont m'emmener faire un tour du côté de souplex. Il a pris des coups avec Baron Blade, je suis sûr. Je suis sûr et certain qu'ils ont pris des coups ensemble. Attention, Senton Splash. Il est chaud, hein, Jobber Jett, là. C'est plus le même homme. Là. On nous a déjà mis dans la barre, dans le rouge. C'est quand même bien la galère. Avec, attention, voilà, le bon coup de pied directement dans la face. Mais en même temps, voilà, j'arrive avec des blessures. Vous avez pas vu ces coups de chaise la dernière fois? Oh là là là, Rolling Neck Breaker. Porté par monsieur Jobber Jett, qui est en train de s'amuser avec nous. Et j'ai pas le mojo, j'ai pas la réaction, j'ai pas ce qu'il faut, là, pour l'instant, pour revenir. Et Baron Corbin qui essaye de venir m'aider, mais il est retenu par l'arbitre. Du coup, ça leur permet de travailler à deux. C'est totalement illégal, c'est totalement dégueulasse. Mais c'est comme ça, c'est ça le catch. Attention, Baron Blade qui va goûter à ma suprême, à ma violence, à ma vengeance. Allez, avec le relais, avec Faye, avec Baron Corbin. Et tu vas voir, mon copain, on est capable aussi de travailler par équipe. Et... Oh, Baron Corbin qui nous a fait du Superman, c'était bien. Superman assisté. Et qui contre. Oh là là, et tu vas pas contrer longtemps, mon pote. Voilà, dropkick dans les fesses. Et ça redonnera l'avantage psychologique à Baron Corbin. J'arrive pas à sortir du ring. Voilà, impeccable, super. On va se faire compter par l'arbitre, c'est tout ce qu'on va gagner. On va se faire disqualifier alors que l'affiche est belle quand même. Allez, remonte. Voilà, merci Sturi. Impeccable. Bon, et on va surveiller donc du coup les exploits de notre bon copain Baron Corbin qui va le mettre toute une dérouillée. Attention, il se fait quand même avoir un petit peu par la lucha. Style vraiment totalement hybride, hein, de la part de Baron Blade. Ah, c'est ni un striker, ni... Voilà, il est rangé dans aucune catégorie. Il est capable de faire un petit peu tout. Et du coup, est-ce que ça va pas lui desservir? C'est manque de personnalité, il va taper un petit peu partout. Alors, en tout cas, manque de personnalité, je sais pas, parce qu'il a quand même tapé dans les yeux de l'autorité. Ils veulent le construire comme une superstar. Attention, là, il a failli se faire avoir par un compte de deux par monsieur Baron Corbin, et ça fait plaisir. En tout cas, avec Baron Corbin, je me sens quand même beaucoup plus en sécurité. Voilà, essayez de m'attaquer avec une chaise si vous l'osez. Et attention à Baron Corbin, tu portes un magnifique coup, une espèce de Falcon Arrow un peu inversé, comme le portait à l'époque Damien Devel sur les rings de catch français. Ah oui, c'était assez impressionnant parce qu'il prenait une hauteur avec les mecs comme ça en souplesse et bim, les aplatissait comme ça par devant.
C'était plutôt chouette. Attention, Baron Corbin nous a apporté une petite variante de son salade tomate-oignon. Moi, je peux toujours pas me mettre le salade tomate-oignon. Je suis un petit peu dégoûté. J'espère qu'on va pouvoir le revoir très prochainement dans notre carrière sur le STO. Enfin, voilà, pour les nouveaux qui arrivent, qui débarquent. STO, salade tomate-oignon. Attention, le compte de 1, 2 et... Ah, j'allais intervenir là, contre Jobber Jet, ça sert à rien. Bon, bah, je... Oh c'est pas... Je me suis fait avoir. Si tu risques, t'es pas dans ton assiette. Prends un cachet, prends un doliprane, fais quelque chose, mais là c'est pas bon. Et regarde, je loupe total. Oh. Ça y est, je pense que j'ai pété un câble. Sors à l'extérieur du ring. Non, parce que là, tu es en train de faire n'importe quoi. Tu es en train de gâcher le spectacle. Et tu as Baron Corbin qui est totalement chaud patate, qui est en train de faire de la bouillabaisse avec Baron Blade. Et ça fait plutôt plaisir. Attention à Baron Corbin qui est en train de replacer Baron Blade au centre du ring et pour lui porter. Oh, attention. Attention quand même pas à Kuba. Oh ça va, c'est dans l'abdomen. C'est légal, bien sûr, voilà. Tant qu'il y a du poil, c'est légal. Et allez, attention, la tentative de tomber. Ah, et, oh, compte de 1, malheureusement. Et moi, je suis passé totalement à côté. Une descente du coup qui sert. Oui ! Qu'est-ce qui se passe ? Je suis totalement à côté de mes masques. Attention, reverse Brainbuster. Oh là là. Et Baron Corbin et Sturi Boulet dans le ring. Qu'est-ce qui se passe ? Baron Corbin, il gère. Hein. Là, j'ai rien à dire. Quand tu compares quand même à Jobber Jet avec qui on était en équipe, on devait faire tout le boulot tout seul. Là, je fais de la grosse merde, du gros caca. Et Baron Corbin, heureusement, il est là, il est bien, il est chaud et frais. Voilà, cette fois-ci, mon balai de coquille, même s'il aura eu un effet un peu léger, aura fait bouche. Voilà, et une petite droite là, Baron Blade. Et je voulais sortir du ring et je me suis encore raté. On a chopé avec ce crossbody des fêtes foraines totalement à chier. On a su choper la cheville. T'imagines quand même un mec qui tombe comme ça sur la cheville, je pense qu'on a handicapé Jobber Jet sans s'en rendre compte. Il s'en rendra compte quand il repartira au vestiaire. Merde, j'arrive plus à marcher, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, le lendemain. Fameuse blessure qui se révèle un jour après parce que t'es chaud à fond la caisse. Et dans le catch, c'est souvent ça. Ah, des fois, tu te retournes le doigt, sur le match, tu dis bon, ça va, ça peut aller. Le lendemain, t'as un doigt qui fait deux doigts, quoi, qui a doublé de volume. C'est un petit peu fou. Bon allez, Baron Corbin là qui a une petite difficulté. Bon alors ça va, il arrive à enchaîner, il compte les tentatives de finish de Jaden Jett pour lui porter une magnifique souplesse arrière. Et vas-y, là je suis chaud, je peux rentrer dans le ring. Je vais m'en prendre à cette petite traite, cette petite soumise de Jobber Jett. Enfin j'arrive à rien faire, super, impeccable, voilà c'est bon. Allez, des overhead punch directement dans la face, les petites baffes, elles s'enchaînent pas trop mal. Avec une projection dans l'écran, on s'est contré avec un magnifique Jawbreaker, il revient bien et POUM Spinebuster. La tentative de tomber qui s'enchaîne. 1, 2 et dégagement simplement 2. Oh, n'importe quoi Elbow. Voilà, ça c'est bien, ça c'est les classiques. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Rien du tout. Oh là là, je veux faire mon Mac. Je suis en train de me prendre une rouste. C'est pas bon. Hein. Allez, coup de chaise de la dernière fois m'ont pas aidé du tout. On fait un peu n'importe quoi. Je suis désolé Baron Corbin, mais... Je suis pas dans le meilleur des mondes, attention, voilà les petites anciennements, les petits strikes là, qui marchent pas trop mal. Avec la petite Mongolian Chop derrière qui fait plaisir aussi, j'ai un coup spécial, ça continue de s'enchaîner, qu'est-ce qui se passe? Jobber Jet est en train d'en prendre pour son grade et boum, la lariat qui passe plutôt très très bien. Et ouais, et vous connaissez la suite sur la deuxième corde pour un, les pics, finish des fêtes foraines. Oh ça passe, c'est magnifique. La tentative de tomber enchaîner derrière, je pense qu'il s'est terminé. Je pense que c'est terminé, 1, 2 et dégagement compte de 2. Oh, le penalty de bâtard de Baron Corbin. Penalty et but pour Montpellier. Allez, hop. On salue l'héros, on salue le 34. Et attention, mais tout de suite, monsieur. Oh, c'est pas mal ça. Oh, c'est pas mal cette espèce de Samoan Driver là, qui. Ah, il est en road break. Il est en road break, dommage. Baron Blade, j'ai l'impression, il a pas trop envie de se fouler non plus. Hein. Tu vois, il est pas au taquet. Là, il vient de nous mettre un petit tatémé. Voilà, un peu de fils de puterie de la part de monsieur Baron Blade. Ça fait plaisir. Voilà. Tiens, voilà, ça c'est bien. Ça, j'ai un petit peu à m'occuper de monsieur Baron Blade, on va le calmer un peu à l'extérieur du ring parce que. Ouais, même s'il vient pas intervenir très très vite, j'ai l'impression quand même que monsieur Baron Blade, moi déjà j'ai un compte personnel à régler avec lui, voilà, on passe ici, et là. Bon, il était pas super fait, j'aurais peut-être pu le garder pour l'intérieur du ring. Mais au moins, on aura détendu Baron Blade. Allez, remonte dans le ring, Sturi. Voilà, je joue au chat et à la souris avec Jobber Jet, reprend l'avantage et ah, je suis passé totalement à côté. J'ai pas fait ma sélection de perso au bon moment. Donc ma petite ruse a pas du tout marché. Oh, le Swing Blade. Swing Blade de la part de Jobber Jet, qu'est-ce qui lui arrive? Il tente de tomber derrière. Attention, Sturi, il va falloir faire le dégagement. 1, c'est passé à côté. 2, c'est passé à côté. Heureusement que Baron Corbin est là. Heureusement que Baron Corbin est là. Attention, projection. Oh oui. Oh, ce que je sais, Baron.
Ah, incroyable. Corbin, le meilleur tag team partner qu'on puisse avoir. Cette alliance, quoi. Ah, mais là, j'ai envie d'aller gagner les championnats par équipe avec Baron Corbin. Ah, je sais pas vous, mais... Il est un peu... je sais pas, je pense qu'il a pris des acides, là. Oh, putain, cette finisher buster. Mais Baron Blade, ouais, il est un peu groggy, là. Tu le sens pas forcément bien. Et oh, je pensais qu'il allait savoir l'avoir. Dommage. Magnifique frog splash en brillant de la part de monsieur... Joe Burgett là qui attention Story parce que là on est pas bon du tout. Là on est dans le rouge totalement pourpre. Et oui, oulala, il pisse le sang Baron Blade. Et encore une fois on peut dire merci à Baron Corbin. Parce que là j'étais pas du tout sur le dégagement. J'étais pas là du tout. Eh hey, Baron Corbin, oui voilà. Oh, aucun respect. Putain mais il est excellent. Le partenaire par équipe parfait quoi. Alors qu'on est en grosse galère, hein. Comme vous le voyez, on est en putain de grosse galère. Et tu me diras, Joe Burgett, il est en galère aussi. Il va aller faire le relais. Oh ! Ah, j'ai l'impression que ça s'échauffe un peu entre Joe Burgett et Baron Blade. Bah, on va en profiter, hein, les amis, parce que là, c'est... il vient de lui refuser de faire le tag, hein, clairement. Clairement ! Mais attention, Dragon Screw ! Ah, c'est pas mal, mais non. Baron Blade qui doit être particulièrement vexé de cette fée Busted Wide Open, qui vient même plus intervenir, tu vois, pour casser les tombées ou autre. Heureusement, moi, je peux compter sur Baron. Attention, est-ce qu'il va aller refaire la tentative de. Non, il reste dans le ring, attention. Non, encore une fois, Baron Blade qui refuse d'aller chercher. Il dit à Joe Burgett, c'est ton moment, débrouille-toi. C'est toi qui as voulu cette guerre. Voilà, maintenant, t'assumes un petit peu. Et ouais, Baron Blade. Qui sait pas, on sent qu'il est le patron, hein. On sent qu'il porte la culotte dans le couple. Clairement, allez, hop, dans ce cas-là, on va en profiter. Joe Burgett est un petit peu livré à lui-même pour pouvoir en terminer une bonne fois pour toutes. Avec attention, on va le placer, on va lui envoyer directement dans le coin pour faire le petit relais à notre bon copain. Oh, la botte dans la face. La botte dans la face, c'est pas beau. Voilà, le petit coup de pied, cette fois-ci ça passe, relais avec Baron Corbin. Et tu, voilà, cette bonne lariat, Enzo Lariato dans ta face. Je vais pas forcément aller chercher. Ou attendez, je vais quand même rester pas trop loin de monsieur Baron Blade, voir s'il tente d'intervenir. Voilà, après ce type 6, 1, 2, et victoire, tranquillement. Voilà, 1, 2, 3, victoire de monsieur Baron Corbin et de Story. Baron Blade a décidé de faire no match pour Joe Burgett en fin de combat. Tant mieux pour nous. Mais Joe Burgett, en tout cas, bah, il a plus d'alliés. Il a plus d'alliés. Je pense que Baron Blade, c'était un coup d'un soir. Et il s'est fait jeter, il s'est fait jeter par son ex, hein. Alors là c'est mise en PLS totale le mec, hein. Ouais, plus de respect pour Joe Burgett, c'est un peu triste quelque part, ouais je sais pas, il me fait un peu de la peine mais en même temps il a que ce qu'il mérite, ouais c'est tout, c'est comme ça, c'est ça le catch. Par contre, énorme victoire, super Baron Corbin qui était incroyable, enfin voilà, c'est vraiment mon partenaire préféré dans ce jeu, on est super cool tous les deux, on est super badass. Et si on pouvait aller chercher les championnats par équipe, qu'est-ce que t'en penses, mon vieux Baron? Ça pourrait être une bonne chose, hein? Et regardez à l'extérieur du ring, Baron Blade qui fait style. Ouais, mais excuse-moi si je pouvais pas venir t'aider, c'est parce que j'étais un petit peu groggy de la dernière fois. C'est quand même pas mal, c'est quand même pas rien. Bon, les amis, en tout cas, je vais vous dire à la prochaine pour un incroyable.